je cherchais une façon d'exciter mon monde, puis de commencer à préparer l'ère de changement dans notre organisation. Et puis, on voulait les sortir de la boîte, on voulait les sortir pour qu'on aille chercher un petit peu de matière grise, qui nous donne leur opinion de comment est-ce qu'ils voyaient l'avenir. Parce que ces gens-là sont carrément sur le plancher des vaches, ils rencontrent la clientèle, ils réparent les voitures. Puis c'est pour ça qu'on a fait un mix aussi, pour que l'équipe au complet se fasse. Et puis, il faut les sortir de leur zone de confort. On s'est fait présenter un méchant beau projet qui est une aventure étalée sur 5 mois d'un projet de voile. On s'embarque dans quelque chose qu'on connaît pas, puis ça, c'est un grand défi. On fait quelque chose de différent, on sort de l'ordinaire. Il y a un gros changement qui a été fait avec Cadillac. L'explication du programme, je dirais que c'est de se pousser, d'aller un petit peu plus loin, de dépasser ses limites. Des fois, on se challenge pas assez dans la vie. On prend beaucoup de choses pour acquis, le temps passe vite. Puis on se dit, on va faire ça plus tard, on va faire ça plus tard, on va faire ça plus tard. Bon, ben là, ça donne l'opportunité d'avoir un but maintenant, puis de le réaliser, puis de faire quelque chose de différent pour une fois. On a créé un lien dans le garage, un lien qui n'existait peut-être pas ou pratiquement pas entre le département de service et le département des ventes. Partager avec eux des moments avec la fatigue, partager avec eux un repas, partager avec eux un challenge, partager avec eux la sueur. On est tous là un pour l'autre. Si on voit quelqu'un qui a plus de misère, on va l'aider, c'est certain. Si on va faire un. Les gens au niveau du service, beaucoup les mécaniciens, tout ça, viennent en avant, nous donnent des idées. Donc, on a vraiment été chercher une belle chimie, une belle compréhension de tout le monde. Vraiment, on a su identifier les bons leaders dans notre entreprise aussi, parce que souvent, les meilleurs leaders ne sont pas toujours seulement les patrons, mais bien les employés. Puis on va de l'avant, puis on recule pas. Puis on recule devant aucun challenge. Comme on recule devant aucune proposition d'un client, puis on recule devant aucune concurrence. J'aimerais que cette expérience-là devienne un peu un mentor pour le restant de l'organisation. Ce nouveau mindset-là va être important pour l'entreprise, mais il est important pour moi, mais il va être important pour toi. Pour que toute l'organisation, finalement, vive le changement et la nouvelle ère de Cadillac.